Rendez-vous à 20h. Maman, à 20h, je crache le feu. À Facebook. Je vais cracher le feu. Maman, même Beyoncé ne voit rien. Vous allez parler. Fleur de Lille, ancienne clasheuse. Au ventre plat. Wanago Sofa. Donc, c'était pour vous dire que connectez-vous, branchez vos téléphones parce que c'est à 21h, 20h30 que les choses vont démarrer. Le goitre, les gens vont sofa, na sofa. Je vais te... Hey! À 20h30, je coupe maintenant. C'était pour vous dire que chargez vos téléphones, branchez vos téléphones. Je ne veux pas entendre que oui, je n'avais pas le la charge. Nanani, nanana. Aplaka. Aïe. Maman, le ventre plantain tapé. Ventre plantain tapé, maman. Plantain tapé. À 20h30, pardon. Chargez vos téléphones parce que je vais cracher le feu. Ago, cracher fire. Je vais cracher le feu à 20h30. Non, c'est 21h. Je vais vous montrer que quand j'appuie tic, ça fait tac. En attendant, prenez aussi vos cartes bancaires pour commander pour Noël chez FDL. Parce que c'est ça qui nous lie. À placa. Aïe. La placa lit de ça. À placano de ça. Ouloulouloulou, maman wanago sofa. Vous allez souffrir derrière moi. Vous allez souffrir derrière Fleur de Lille. J'ai dit ça. Je ne tourne pas autour du pot. Je ne fabrique plus personne. Ma sisou jaguar, c'est comment dans ma sis? Maman, ta soeur est là-haut, son ventre plantain tapé. Hey! Une fille qui a souffert sur Facebook pour avoir la visibilité. Si moi, je ne donne plus la visibilité. C'est fini. Oui. Je tape ma poitrine. Qui là-bas ne vient pas ici? Moi, combien? Je dis. Et je dis et je confirme que je crache le feu à 20h30. Oui. La soeur qui donne le goitre, qui donne les insomnies, Fleur de Lille. Maman, vous croyez que j'allais caler au Cameroun, c'est ça, hein? Quand j'étais au pays, vous n'avez pas fait les directs sur moi. Vous avez cru que je vais m'arrêter, je vais faire la prison. Par rapport à quoi? Le Cameroun, c'est mon pays. J'entre et je ressors quand je veux. J'ai un visa de 6 mois. Donc, je retourne au Cameroun, là, pour le 13 décembre, je serai au Cameroun. En attendant, une PDG internationale comme moi, je prépare mon voyage ce week-end en Suisse. Et ensuite, je vais en Malaisie, à Kuala Lumpur. Avec la plus grande milliardaire. Pas le bébé. Maman, vous allez parler de Fleur de Lille. Ça ne change rien. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. J'ai fini de vous faire vendre vos commerces. J'ai fini de vous donner la visibilité. Vous voulez me diaboliser. Maman, j'accepte. Vous voulez me diaboliser. J'accepte. Vous avez compris? C'est à 20h30. Je me déshabille. Oui, je vais mettre 2 pièces. Je n'entre, je vais pas entrer le ventre dedans. Voilà ça. Mes végétaux même sont partis. Oh, le ventre tapé, tapé de ça. Oh, c'est qui va tuer les détraques. Maf. Vous allez body. C'est mon cul. C'est ma chatte. C'est mon don, hein. Vous allez dire ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Hein, Allah walaï. Vous les abeilles là, vous restez dès qu'on parle de Fleur de Lille, vous ne dormez pas. Je dors, je ronfle, je pète. Je pète. Dès qu'on parle, rien ne me fout. Maman, qu'on parle de moi, c'est ça qui est bien. Mais moi, j'ai 100 000 vues, plus de 100 000 abonnés. Donc, je ne fabrique personne. Eh, madame Dika, c'est comment ma belle-sœur chérie, à placali de ça. À placa. Maman, le ventre te plante un tapé. Le ventre plantain tapé. Maman, mon ventre vous choque.
depuis que j'ai la personne qui a trop mal prend son ventre et pose ça sur la planche de à couper et tape ça avec la bouteille pour que ça s'aplatisse comme la placali. Ça vous fait mal où? Maman, si je suis l'esputo, l'esguino, maman, n'a eu de chop maniache, n'a eu de manger maniache, n'a eu de doigté mi, n'a maniache. If you want piné à piné, what me? Vous fantasmez sur moi. Mais je vous ai dit que vous n'êtes même pas mon genre. Une fille comme moi qui a tourné les clubs échangistes. Qui a tourné là les clubs échangistes. Maman, qu'est-ce qui peut m'impressionner? Comprends un peu que Fleur de Lys, ça vous fait mal par rapport à quoi? J'accepte. J'accepte. Ça me fait quoi? Et puis quoi encore? Maman, la gigolette de ça. Vous n'avez rien vu encore. Vous êtes amoureuse de moi. Mais à nous digérer, Wana, parce que Wana nous dé ma style. La personne qui veut être mon style d'abord devient Koudjé. C'est ça, hein? Et Koudjé de ça. Les Koudjé de ça. Maman, je sens que le jour de mon mariage, il y a au moins 5000. Je ne sais pas. Donc, ça vous fait mal, hein? Moi, ça ne me dit rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce qui est sûr, à 20h, je vais vous doigter et vous goder. Moi, je sens qu'il y a beaucoup là qui veulent le doigtage. Allez là-bas, lavez vos sales fesses là. Avant de venir tourner devant la Beyoncé, maman, la Beyoncé camerounaise. Hein? J'entends que, maman, qu'est-ce que si j'ai envie de dire, je ne dis pas sur mon mur, j'assume. Les balles, tout le monde entier, c'est moi. Même le Congo Saba de maintenant, c'est ma page. C'est moi derrière. Tous les Congo Saba, c'est moi. Nami, get down one. Les vieilles chouettes. Je ne veux pas de vous parce que vous ne me servez à rien. Je vais juste dire que c'est un ami. Venez m'arrêter. Les gens ont même sorti l'arme ici sur les gens à cause de Congo Saba. Depuis là, complicité alors. Tu savais que c'était moi Congo Saba. Pourquoi tu n'as pas trahi depuis? Donc tu es complice alors des meurtres. Vraiment, quand la Stamania vous manque, vous cherchez les problèmes pour devenir star. Vous avez la fille de pleurer le deuil. En face là-bas de chez vous. Puisque vous êtes une bande de vieilles sorcières qui veulent me tuer. Maman, le Toussi. Je suis rentrée avec le grand frère de la sorcellerie. C'est ça qui est en train de vous bouger comme ça. C'est-à-dire que je suis allée au village. J'ai dansé sur le courant. Je suis allée dans mon village. J'ai dansé sur les crânes jusqu'à. Maman, vous êtes sur l'écran, vous allez vous dévoiler comme ça. La façon qu'elle sautait sur l'écran. J'ai sauté comme ça sur l'écran. La façon que j'ai dansé sur l'écran, maman, vous allez vous réveiller jusqu'à. Je dis que. Continuez. Moi, c'est quand on est calme que je me réveille. Quand on m'attend, je ne me réveille jamais. Mon Dieu, c'est à 20h30. Là, c'est juste pour vous dire que branchez vos téléphones. Parce que le plan Q que j'ai organisé, je vais trahir tout ça, oh, maman. Les poils de chien, de chat, de ça. Maman, en Afrique, les chiens restent dehors. J'ai dans la maison, c'est dehors. En tout cas, moi, Fleur de Lys, je suis respectée par le gouvernement. Je suis respectée. Maintenant, depuis que j'ai lavé mon image au Cameroun, j'entre au Cameroun, même les ministres me saluent à quatre pattes. Donc, vraiment, je ne peux plus salir mon image. C'est fini, ça. Avant, j'étais une clasheuse. J'ai fini avec... Quand je passe tout le monde, Fleur de Lys, notre reine mère, nous sommes contents de ton évolution et tout, mais je vais rester dans cette lancée-là.
Je ne vais pas revenir entrer dans les histoires de l'Ombrakatar. Non. C'est pas vous allez chercher le nom pour vendre vos choses. Fleur de lys ne fabrique pas. Oui, j'ai dit ça. Les abeilles. Vous dites que c'est moi qui envoie les abeilles. C'est moi. J'accepte. On a dit toc, bac, 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 bac. Maman, j'ai ma bouche. Hein. N'oubliez pas que moi, je suis d'abord une clasheuse, une ancienne clasheuse. J'ai changé. Parce que alors, si. Beyoncé est de ça. Le mariage est de ça. Certains se pavanent qu'ils sont mariés au blanc. Être marié à un blanc, ce n'est pas une référence. Celle qui veut montrer que Maya n'a supporte pas, n'a supporte. Allez vous marier au noir, on voit. Être marié au blanc, ce n'est pas une référence. Parce que moi, mais je suis la femme d'un blanc. Ce n'est pas une référence. Quand on dit que n'a supporte pas, n'a supporte pas, c'est quand tu es marié à un noir comme toi. C'est ça qu'on. C'est le vrai mariage, c'est ça. Là, tu vis la belle famille, tu vis tout, on voit. On confirme que, pas les vieilles prostituées. Les prostituées mariées au blanc, mais elles vendent le piment. Eh, n'oubliez pas, je vais dire qui m'a montré le lieu saint. Officiellement, je ne tourne pas autour du pot. Vous connaissez même déjà. Je n'ai pas besoin de faire le dessin. Mais ça ne me sert à rien parce que vraiment, même dit qu'il m'a montré le lieu saint, ça ne va pas empêcher les réunions machiavéliques. Ça dit que Fleur de lys, moi, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pour te dire que la personne qui te tue est toujours à côté de tes fesses, comme mes anciens amis. Mais ces anciens amis, elles ont toujours été jalouses de moi. Vous êtes belle. Vous êtes riche, vous avez ceci. Vous jalisez une pauvre femme comme moi. Moi, je ne comprends pas. C'est vous qui êtes belle, oh. C'est vous qui avez les maris riches, oh. C'est vous qui avez les blancs, mais vous jalousez une pauvre. Moi, je ne comprends pas. Quand je vois un riche qui jalouse une pauvre, je ne comprends pas. Comment quelqu'un qui est riche peut jalouser quelqu'un qui est pauvre? Ça n'a pas de sens, ah ouais. Ah ouais. Ça n'a pas de sens, ah ouais. Ben, ce qui est sûr que c'est Noël, il y a beaucoup de gens qui cherchent à vendre pour Noël. Mais la PDG internationale, la reine mère, au ventre plantain tapé, elle ne gère pas les pet-pets. Elle ne gère pas l'ombrakata. Maman, ne tourne pas ici. Passe, maman, passe. T'orienté. Yeah, maman, Anna. C'est quand quelqu'un veut déjà parler. De toute façon, on dirait que c'est à 20h. Nous sommes au rendez-vous. Ce n'est pas encore maintenant. Vous avez branché le téléphone, pardon. Le rendez-vous, c'est pas maintenant. Oh, la placali de ça. Oh, maman, la placali qui donne les insomnies. Mettez-vous même 500, ça change quoi? Vous connaissez le nombre de détracteurs que j'ai? J'ai beaucoup de détracteurs et c'est ça qui fait ma force. Parce que la puissance d'une star se mesure par le nombre de ses détracteurs. J'assume. Oui. Je suis la puissance extraplanétaire. Et c'est ça. C'est pour ça que j'ai des détracteurs. Vous pleurez quoi? Fleur de lys, les gens la détestent. C'est plus quoi? Tout le monde est obligé de m'aimer. C'est parce que. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qu'on s'acharne comme moi? Moi, je me couche, je dors. Je ne fais pas les nuits blanches. Hein. Avant, je faisais les directs matin, midi, soir. Moi, j'ai une entreprise, je suis occupée. Je suis rentrée du Cameroun. Là, je me prépare. Je vais en Suisse ce week-end. La semaine prochaine, je suis en Malaisie. Vous pensez, moi, j'ai le temps à perdre, à venir me pavaner que je vais faire le clash? Maman, c'est bon, non? D'accord. La main est battue aux toilettes. Je me mets comme ça pour la cacher. Donc, je suis une PDG qui a beaucoup à faire. Et ne pensez pas que je ne sais pas. Certains disent, ouais, on ne te voit pas. Maman, si il y avait le Niorse, hein. J'ai tout accompli dans ma vie. Je suis libre de vivre ce que je veux. J'ai accompli. C'est-à-dire que j'ai ramené ma mère le plus grand bonheur. Donc, j'ai fait conscience au Cameroun. Je donne du travail. C'est-à-dire que je ne sais même pas si j'ai envie de faire le gambang. Je fais le gambang. Si j'ai envie d'aller en Belgique, dans les clubs échangistes, me faire niorcer même pas 10 hommes, je le fais, c'est mon problème, ça me regarde. Ça me regarde. Ben oui. Vous pensez que quoi? Hein? Les vieilles filles comme ça là que... Ouais, maman, vous savez que je suis rentrée, je suis fatiguée. Mais je vais faire le direct à 20h. On perd seulement le temps, c'est là. À 20h, je me mets nue. Le aplacali, mon ventre vous fait mal. Je suis une ancienne riche, hein. Ma kalama bobé, c'est comment? Madralo, bonjour. Margina Purity,
Bonjour, le retour de Claude Akam. Maman, chacun sa part sur Facebook. Hein. Le retour de Claude Akam, il se fait enrichir. Il vous a confirmé la confirmation. Il est en train de tourner ses films là-bas avec Magazon. Depuis Magazon. Maman, les nouvelles de Facebook, c'est comment? C'est à 20h qu'on prend ces nouvelles. Donc, rendez-vous tout à l'heure. Je vais vous dire que moi, je suis... Ça dit que le nombre de mes détracteurs, c'est beaucoup. Mais j'ai aussi les gens qui m'aiment, qui me soutiennent. Maman, vous m'aviez toujours dit, sors du cas, sors des clashs. Je suis sortie des clashs. Donc, vous me voyez comme quelqu'un qui va venir encore faire les clashs aujourd'hui. Que c'est fini. Maman est contente parce que je suis partie à son deuil. N'est-ce pas, maman? Mm-hmm. Tu es contente, non? Tu es très contente. Je suis très contente. Mm-hmm. Je suis partie pleurer ton père, ah, ton oncle. Ton oncle. On n'a pas compris. Non. Oui, les gens sont bien rentrés. Il n'y a pas eu d'accident. Tout le monde est bien rentré, non. Maman. Les gens ont pleuré. Ton deuil. 6 personnes sont parties de Paris. Bonjour, non. Mm. Dieu éternel. Voilà. Donc, comme je vous disais, elle repart au Cameroun le mois prochain. Parce qu'il y a l'ouverture d'un hôtel. Quelqu'un qui vit au Canada ouvre son hôtel. C'est quand même. C'est le mois prochain. Mais mon rendez-vous, maman, je suis la seule star qu'on invite. Maman, je suis sur bouquet des rendez-vous. Et même dans le rendez-vous du mois prochain au Cameroun, j'ai refusé. Parce que je serai en Malaisie, je serai à Singapour. Je vais être à Kuala Lumpur. Je vais être à Singapour. Je vais aussi aller dans un pays là où il y a les pauvres là. Je vais aussi aller là-bas. Donc, sachez que je n'ai pas le temps. Quand vous prenez alors pour tourner aussi, non, maman? Vous croyez qu'on est star, on ne devient pas star. Vous allez même bouger tous les marabouts que vous êtes partis chercher en tuy. Ça ne va rien changer sur Fleur de Lille. Je parle en présence de ma mère. Elle est là. Je suis une fille qui n'a jamais mis son pied sur le marabout. Sauf quand j'étais petite, on m'avait coupé ici là. Maman, tu avais dit que je voyais, que j'étais tombée où là? Quand tu m'as coupé le Mac. Beaucoup les Bamilicains ont sagé ça. On m'avait coupé, mais c'est même déjà fini. Hein. J'étais souvent malade, on m'a coupé ici là, avec la lame, c'est comment on appelle ça? Ce qu'appelle ici là. Un mar, non. Il ne fallait pas me que le mar, c'est maman, j'ai jamais été dans... Un mar, non. C'est fini ou non comme ça que moi? Maman m'a coupé le mar ici là, mais c'est fini, hein. Dieu merci. J'allais avoir le truc là ici, maman, Dieu merci, c'est fini. Donc, comme je vous disais que ce week-end, on est en Suisse pour le deuil de Momo Denise. Et puis, la semaine prochaine, c'est direction la Malaisie. Vous allez souffrir de me voir belle, de me voir bonne, de me voir avec l'assurance. Maman, la chirurgie esthétique, ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Oui, c'est le qui peut. Je vais faire les tatouages là. J'ai déjà les tatouages ici. Ici, là, j'ai le tatouage. Regardez bien. J'ai le tatouage là. Ici. Ce n'est pas le qui veut, mais le qui peut. Maman, si tu as ton argent, hein, quand tu t'énerves, tu fais. Maman, mon ventre de bière là, ça m'énervait jusqu'à maman. Maintenant, ce que je vais faire, c'est les nibards. Mes seins sont tombés subitement. Mais bon. Après, je vois que mon cul est plat ici. Je crois qu'il faut gonfler. Il faut faire ça, non? Oh, monsieur Walid, si vous me regardez, j'ai besoin d'une lipo ici, hein, entre les jambes. J'ai envie d'avoir les jambes écartées ici. Quand je suis debout, je veux voir le vide là. Entre... ici, ma main, ça l'énerve. Quand il n'y a pas les choses, ça l'attention jusqu'à... Je vais voir le coupé là. Comme ça. Ici, et je vais aussi avoir le long crypto. Alain Fils, c'est comment, non? Le long crypto. Georges Fouda, c'est comment? Vous voyez comment? Que si je pars changer, je me travelo. Vous allez mourir. C'est Fleur de Lille qui avait le bas. C'est Fleur... Maman, j'ai. Ce n'est pas que j'avais. C'est moi qui ai Congo ça bas. Le dos là-bas. Je bois les bières. Bande de vieilles chouettes. Vous ne serez jamais moi. Oh. Tu peux. Maman, je n'attache pas les gaines. J'ai dit que les genres de gaines que tu portes, tu as les nausées, ça te tourne là. Moi, je n'attache pas les gaines. Je suis partie enlever.
Il y a quelqu'un qui peut pas attacher la gaine quand tu arrives à la réunion. Tu ne peux même pas manger tellement la gaine te serre. La gaine, un petit truc, la gaine te gratte. Ça te serre. J'ai dit que mieux je coupe. Oui, la cicatrice est là. Ici, comme ça. Mais ça va? Je vais tatouer là. Moi, le gainage de quoi? Je ne gaine pas. Gaine. Je ne gaine pas. Gaine que tu gaines, tu as faim, tu veux pas manger parce que tu as gainé le ventre. Gaine. Comment? Marc, il manque que. C'est le blindage ici derrière, maman. Oh, on gagne, digetac. Mais c'est petit, j'ai envie de remplir les chaînes ici comme ça. Que maman, quand tu as les chaînes, maman, quand tu as le ventre plat, tu es à l'aise. Que quand j'aurai le ventre plat, maman, quand je mets seulement les chaînes comme ça, maman. En levrette, le goût de ça. Hey, quand le gars te fait ça, après il tient un peu comme ça. Tu as eu ça, Mako? Quand tu avais ton gars que la mbinda, après il te tient ça là derrière comme ça. Quand il fait ça, bouge la maman, excitant le feu sort. Oui. Vous allez me vivre ici là. Ce n'est pas ailleurs. Hein. Vous allez vivre Fleur de Lys sur Facebook. Ma peau brille comme ça, c'est éclamier. Vous avez vu, j'étais même au Cameroun. Je n'ai pas noirci un jar. J'étais au pays, on sentait que voilà une benguise. Vous et moi, ce n'est pas pareil. Toi qui envoies les têtes de moi, après je te bloque. Parce que tu ne me sers à rien. Regardez comment je suis. Mon teint éclat miel. Quand on vous dit qu'arrêtez d'utiliser les produits qui vous gâtent le corps. Utilisez les bons produits. Ne serait-ce que même pour maintenir votre teint. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu mon teint se plantain brûlé? Regardez bien. Oh maman, c'est ma belle soeur. Appeler maman, je traite que avec les stars. C'est ma belle soeur chérie. Elle s'appelle Adèle Ngonon Kenfak. Ah oui, elle sera en concert. Ah oui, maman, le jour du concert, là, je vais marcher. Mais vous dites souvent que quoi? Quelqu'un dit que quoi? Je disais que maman, que mon direct c'est à 20h30, 21h. Et que ça, je vais remplir ça et même petit. J'ai acheté cette. J'ai envie d'avoir ça parce que quand tu as un gars, quand le gars te. Il tire ça comme ça derrière. Quand un gars. Ça bouge, ça fait. C'est sexy. Les filles, je vous ai appris à vous laver. À mettre le rouge à lèvres. Sur Facebook. Aujourd'hui, les chercheurs d'amitié. Moi, hein, je sais vivre seul. Je suis une fille unique. Hein. J'ai appris à rester seule. C'est tout vous qui venez vers moi. C'est tout vous qui partez me salir. Vous rôdez derrière une personne qui ne vous gère même pas. Parce que moi d'abord, même les abeilles se plaignent. Je ne suis pas quelqu'un qui va trop appeler, trop contact, genre, trop. À cause de ça, maman, les amis m'ont trahi. Oh. Maman, je veux la musique de Lady Ponce. Oh. Aminata. Oh. Maman, les Aminata. Je n'ai pas deux... Aminata, Aminata, oh, tu m'as trahi. Les Aminata, que je donnais les mines d'ailleurs. Aminata, c'est toi qui veux prendre mon show. Aminata, Aminata, les amis m'ont trahi. Oh. Mes vrais détracteurs sont mes amis. Hein. Ce sont mes ex-amis. Il y a toujours dit quelqu'un qui ne te connaît pas. Ne peut pas te faire du mal. C'est toutes les personnes qui sont, ont marché avec vous. Et marché quoi? Marché à mi-temps. Ma chère Amita, vous ne pouvez jamais dire les bonnes choses que Fleur de Lys a apportées dans vos vies. C'est moi de dire, oui, j'ai rêvé la nuit. Elle est venue me voir dans les rêves. Elle est venue avec son goût. C'est normal, je vends les trucs là. Si vous rêvez des gourdes, que je, c'est parce que je vends ça. Oh, j'ai rêvé, elle est venue la nuit. J'ai rêvé, pourquoi vous rêvez toujours de moi? Parce que vous pensez trop à moi. Pourquoi moi je ne rêve pas de vous? Vous pensez trop à moi, c'est ça, vous êtes... C'est-à-dire que vous avez une fixation sur moi qui n'a pas de nom. Comment vous pouvez rêver d'une personne qui ne vous gère pas? Parce que moi, je n'ai jamais rêvé de vous. Mais vous rêvez de moi. Par rapport à quoi? Hein? Toujours parce que vous voulez me doigter. Par rapport à quoi? Vos sales doigts, il faut d'abord même désinfecter ça avec notre nouveau produit là. www.fleurdelysboutique.com. Rendez-vous tout à l'heure à 20h30, 21h. C'est tout. Parce que je serai grossière. Et je vais assumer. Je serai grossière, je vais assumer. Les filles qui ont les pertes blanches, elles viennent parler à Fleur de Lys. Quand on se met nu, on met le doigt dans vos fesses, on met le doigt dans mes fesses, on montre, on voit qui est propre.
Doit-on nous en montrer sur les réseaux sociaux? Que chacun, j'ai pas dit que vous, j'ai dit que c'est Facebook, hein. Là que vous voyez là, je suis une dingo, que je ne fume pas le mbanga. Je ne fume pas le mbanga. Mais sachez que chacun a son truc. Le défi que vous lancez, chacun se doit et fait comme ça. On voit. Les sales filles comme ça qui viennent parler à un PDG comme moi, un chef d'entreprise. Hein? Les sales filles comme ça, elles viennent parler à un chef d'entreprise parce qu'elles rêvent quand elles dorment, elles rêvent de mon ventre plat. Elles rêvent de mon ventre planté, tapé à Placali. Elles vont venir sortir des énormités qui n'ont même pas de sens. Moi, je ne peux même pas écouter ce genre de bêtises. Et moi, je dis aux abeilles, mais attendez, je ne suis pas une soulade, moi. Je ne suis pas une soulade, je suis une fille respectée, vous avez vu. À l'aéroport, il fallait voir. Mais juste à interplanétaire, une fille qui a apporté au Cameroun. Je passe au Cameroun, je suis respectée partout. Vous vous rendez compte? On me dit, mais la reine mère, oh là là, tu es plus belle en vrai que sur les réseaux sociaux. Mais ne te mélange plus à cette classe de catégorie de pétasse là. Ne te mélange plus, tu es déjà en haut. Ton passé, c'est ton passé. Maintenant, tu vis le présent. Et c'est ce que je vais vous dire. J'ai fait le passé avec vous. Maintenant, nous sommes dans le présent. Vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Hein? On a vécu le passé ensemble. Maintenant, je suis dans le présent. Vous me persécutez même dans mon présent. Après, vous avez dit que je veux vous tuer. C'est vous qui voulez me tuer. Mais la façon que j'ai sauté sur les... Meuf, vous allez me faire quoi? J'ai sauté le tour sur les grandes cœurs. J'ai sauté. J'ai dit que vous soufflez. Quand je vais vous envoyer le tonnerre, parce que mon totem, peut-être que vous ne connaissez pas quand on dit que meuf, mon totem c'est le tonnerre. Je vais souffler quoi? Quand je vais souffler comme ça, vous allez vous cogner les têtes là-bas jusqu'à votre camp là. Avec des vieux chouettes. Parce que vous voulez faire du mal à Fleur de l'Île. Mais j'attends le jour que quelqu'un va venir. Ça dit que même là, la sorcellerie, on pourrait faire. Moi, j'ai 50 avions de nuit. Et je ne suis jamais tombée sur la toiture. Quand je vais vous... Hein, les avions de nuit que j'ai, mof, quitte l'avant, bébé. Quitte mon cœur. Les avions de nuit que j'ai, maman. Hein, quand je vais souffler... Les boîtes de sardines que vous voyagez dedans là, Kalamongo va vous pousser. Vous allez tomber sur l'électricité. Vous allez tomber sur les balcons, sur les camions où vous positionnez pour voir le travail de 20 euros là. Il a dit que quelqu'un va tomber d'un camion. Quelqu'un va tomber que en haut du camion un jour. Vous allez tomber que sur les camions du lieu 5. Les camions viennent de quelle ville là? Les camions, c'est sur le camion, la toiture du camion que vous allez faire boum, tomber dedans. Ya, laissez le travail là. Ya, laissez le travail là. Les vieilles putes de 1900, ouais, vous continuez. Même comme le piment ne donne pas. Vous êtes tout dedans. Maman, c'est de ma faute si vous n'avez rien fait, maman. Dans votre pimenterie. Que chacun vienne nous dire comment il a connu son blanc. Non, toutes les filles mariées aux blancs qui veulent parler de Fleur de l'Île, dites-nous comment vous avez connu vos blancs. Parce que je ne connais pas un blanc qui va draguer une fille en route. Hein. C'est rare. Moi, je ne connais pas le blanc. Je dis que je ne connais pas un blanc qui va voir quelqu'un et dit que... Dites-nous comment vous avez connu vos maris. C'est dans la pimenterie. Hein. N'oubliez pas, hein, c'est dans la prostitution hein, que vous avez connu hein, beaucoup de filles mariées aux blancs là. Ou sur internet, hein? Non. Internet de correspondance, là. Voilà, ma gazon qui se pavane partout. Et maman, son blanc, elle. Dites-nous comment vous avez connu. Parce que beaucoup de filles qui sont mariées aux blancs, qui ont un peu là, elles ont connu ça dans la pimenterie. Tu étais assis dans un bar, tu as connu ton blanc, tu n'étais pas une. Sérieuse, tu vas boire un verre, un blanc te parle, tu réponds par rapport à quoi? Ça veut dire que tu étais une chercheuse. Venez nous dire, chacune vient dire, chaque personne vient dire comment elle a connu son blanc. Moi, j'ai connu mon mari à un métro. Et c'est un noir, un Congolais qui me l'avait présenté. Mon histoire, je la répète après 20 ans, c'est la même chose.
Dites-nous comment vous avez connu vos maris qui vous ont épousé. Moi, j'ai connu mon mari parce qu'un noir, un Congolais m'avait dragué. Il m'a dit, je lui ai dit, je suis Sankao, je viens d'arriver. Il m'a dit, je peux te placer quelque part, mais tu me donnes souvent pour que je coupe. J'ai dit que je paye quoi? Place-moi et je te donne. C'est comme ça qu'a connu mon mari. Il m'a placé, j'ai donné peut-être deux fois, il a coupé et c'était fini. Maintenant, dites-moi comment vous avez connu vos maris blancs. Voilà comment j'ai connu ma père. Je suis une femme mariée, officiellement mariée depuis le 15 mai 2003 à la mairie de Lille. Dites-moi comment vous avez connu vos maris blancs. Je veux savoir, hein, que personne ne vienne mentir. Hein. Et je suis toujours mariée. Hein. Hein? Venez nous dire, non? Même si tu allais couper une fois que dans... Tu pars couper une fois, le blanc dort avec toi, il voit que tu ne connais même pas enfiler le préseau, il dit que non, tu viens de commencer, il te dit, ok, je vais t'épouser, en attendant, sois maîtresse. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand le blanc vous regarde, rencontre souvent dans la pimenterie, il est souvent avec quelqu'un, soit ça ne marche pas avec la personne avec qui il est. Vous êtes d'abord maîtresse, oui ou non? Il vient la nuit comme ça, kounia, à 6 heures, comme le chat. Il vient... Il vient le matin à 6 heures avec deux croissants. Quand tu l'appelles, quand il est chez lui, il te dit quoi? Dites-nous comment vous avez connu vos blancs. Quand tu appelles ton blanc, il a... Allô? Oui. Je te rappelle, je suis chez moi. C'est comme ça qu'on vous a fait. Tout ça, vous avez attendu. Et il vient maintenant, il vous épouse. Je mens. C'est une question. Je mens ou je ne mens pas? Vous n'étiez pas d'avoir maîtresse des blancs là. Qui venait à Kounia. Nayo, comme ça. C'est vous qui donnez, il mange. Vous voulez parler sur Facebook que vous êtes marié au blanc. Moi, je suis une femme mariée. Mais plus bordel que vous là. Il n'y a pas. Vous comprenez? Celle qui me dit que je suis mariée, que on dit que mariage. Moi, je respecte toutes les femmes mariées. Même celles qui ne sont pas mariées, je respecte. Mais celle qui veut confirmer la confirmation du mariage, mariez-vous à un noir. Vous supportez le mariage, on voit. Parce que le mariage avec le blanc, on connaît la culture. On sait que c'est deux cultures différentes. Mais celle qui veut confirmer le mariage, que mariage, ça avait un noir comme toi. Maman, il faut confirmer. Les femmes mariées, que les maris accompagnent, ils vendent le piment, maman. Parce que le blanc, il accepte tout quand il t'aime. Et tu dis que j'ai un pointage là, il va dire, ouais, je t'attends la voiture, tu fais attention à toi, ma chérie. Maman. Fais attention, vous avez dit qu'elle a trahi les secrets des gens. Et alors, j'ai trahi, j'assume. Venez me taper. Merde. Les connes comme ça vont parler de moi et puis on va me dire, non, tu, elle a trahi les secrets des gens. Elle a dit que j'ai dit. Vous avez compris, non? Minalmi, à tout à l'heure. Sur ce... Ma faut ben tu n'as alors pour parler de quoi? On va parler. Et que vous connaissez même de quoi on va parler? C'est quoi? Tu es pressé? C'est quoi? Tu es tombé, chérie? Fais-lui un câlin. Viens. 21 heures pour parler de quoi? Je vais parler de ce que je vais parler. Toi, tu me parles de 21 heures. Tu es pressé? La connexion ne coûte pas cher ici comme au Cameroun. Je te rappelle que je charge quand même 5000 francs tous les jours. Tu es là où c'est 20 euros illimité par mois. Tu te plains que tu vas alors parler de quoi de 20 heures? Tu es dans mon cœur. Tu sais ce que je veux parler? Tu vas venir acheter des produits FDL? Ou bien? Je vais me déshabiller à 20h. Quand tu t'attaques à moi, hein, tu commences un direct. Tu vas faire les directs jusqu'à... C'est comme ça que je... La sorcellerie, c'est que... Hein, là où j'ai trempé ma main pour être star. Quand tu fais une vidéo sur moi, tu fais 2, tu fais 3, tu fais 4, tu fais 5. C'est comme ça que les années et des années continuent à te trouver. C'est comme ça que... C'est comme ça que un an passe, tu fais les vidéos, 2 ans, tu te retrouves que sur Facebook, ça fait 3 ans, tu fais les vidéos. Allez demander aux autres, on va vous dire. Quand tu commences avec moi sur les vidéos, là où j'ai mis ma main pour être star là, où j'ai trempé ma main que les gens pleurent même la nuit là, votre conscience va vous travailler jusqu'à que si je vous ai fait quelque chose un jour, c'est que je vais payer. Si je vous ai fait quelque chose un jour, c'est que le karma, c'est que je vais payer. Vous comprenez, non? Mais si je ne vous ai rien fait. Wanago, Péo! Oh, je cite vos noms. Vous allez payer.
Oh, oh, Focop, vous allez payer. J'ai soufflé sur les détracteurs. J'ai soufflé. Si je vous ai fait quelque chose, hein, moi-même, je vais. Mais Fleur de Lille, si tu as fait quelque chose aux gens là, tu vas payer ici là, pas ailleurs. Mais si je ne vous ai rien fait, je souffle, vous allez payer. Oh là, wallahi. Allah wallahi. Wanagope. Mouf. C'est mon nom que vous allez utiliser. Mouf. Vous allez chercher la Stamania. Tout le monde a souffert pour avoir la Stamania sur Facebook. Le seul moyen d'avoir le Stamania, c'est de clasher Fleur de Lille. Fleur de Lille, c'est une résistante. Vous comprenez, non? C'est la résistance, maman. Le clash, c'est la résistance. C'est le naïonaï. Ça dit que moi, quand je ne réponds pas, ça veut dire que le jour qu'elle va répondre, ça sera trop fort. Et je ne répondrai pas ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. J'espère qu'on est clair là-dessus. On est clair dessus, non? Je suis en train de laver mon image. On voit les sous là. Quelqu'un s'assoit et boit son vin. Moi, je ne comprends pas. Mais bientôt, je commence à vendre la nourriture aussi. Hein, parce que là, franchement, je vais vendre le... S'il vous plaît. Pour tout ce... le porc fumé. Le porc fumé. Je vais travailler avec le boxeur. Parce qu'on est préparé. Donc, désormais, tous ceux qui veulent le porc fumé, prêt à manger... Le paquet, c'est 20 euros. Le poulet fumé, assaisonné, contactez-moi. Le paquet, c'est 20 euros. Tous la nyama. Parce que, en face, c'est le mongo qu'on va vendre. Moi, je veux vendre moi le passé. Ce n'est pas le temps pour trop cuisiner. Mais sur un cordon bleu. Donc, désormais, ma spécialité, c'est le porc fumé et le poulet fumé. Vous pouvez cuisiner à la maison, vous mettez le paquet, c'est 20 euros. Donc, tous ceux qui veulent, je vais laisser un numéro de téléphone, c'est le boxeur qui va s'en charger, c'est mon... On va travailler en, comment on appelle, la sous-traitance. Je donne la sous-traitance, c'est ma société, pour fumer, pour les fumer, donc ma sous-traitance au boxeur. C'est ce que vous allez avoir désormais sur les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui a faim, qui veut, vous prenez ça, vous réchauffez, ou vous mettez la tomate, vous mangez. Il y aura déjà les condiments, tout. On va vendre la nyama. Oui, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Sur ce, rendez-vous tout à l'heure. Je vous embrasse. Je vous aime. Bisous. À la coude de ça, tout à l'heure.